Alors nous sommes le samedi 17 mai 2014, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, Jean-Sébastien Vialade, député du Var et maire de Sifour-les-Plages. Alors vous êtes donc ici à la Seyne-sur-Mer, ce matin nous sommes sur le marché, expliquez-moi déjà la raison de votre présence. La Seyne-sur-Mer c'est dans la circonscription dans laquelle je suis élu et nous sommes ici dans le cadre des élections européennes parce que le 25 mai, il s'agit de rappeler aux électeurs qu'il faut aller voter. C'est pas facultatif, c'est obligatoire d'aller voter pour les élections européennes. Alors, justement, les élections européennes au niveau de votre parti. Je suis très content, justement, d'avoir votre point de vue. Alors, bon, c'est vrai que l'UMP est traversé par des courants un peu différents en termes de sensibilité européenne, mais tout le monde se rejoint sur l'idée que l'Europe est indispensable et sur l'idée que sortir de l'euro serait une véritable folie. Il y a des débats au niveau de la région ? Au niveau de la région, vous avez remarqué que la campagne est relativement calme. C'est pour ça que nous essayons aujourd'hui de donner un petit coup d'accélérateur. Parce qu'encore une fois, il faut rappeler à nos concitoyens, en particulier ceux de la Seyne et ceux de Sifour, qu'ils ont bénéficié très largement d'une manne européenne importante. Ce sont des villes qui ont été largement subventionnées par la communauté européenne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'Europe a apporté la stabilité sur le plan de la paix en Europe depuis très longtemps. Et enfin, l'idée de défendre, comme le fait le Front National, le protectionnisme, c'est une véritable folie aussi. Nous sommes 60 millions d'habitants, c'est un marché très très étroit. Aucune de nos entreprises ne survivrait à une fermeture de nos frontières. Le candidat UMP ici pour la région sud-est, c'est Renaud Muselier et Madame Grosstête, qui est très connue dans la région Rhône-Alpes, puisque c'est une grande circonscription qui rejoint aussi Rhône-Alpes. Et Françoise Grosstête est un des députés européens les plus assidus au Parlement. C'est une des parlementaires qui fait le mieux son travail à Bruxelles et à Strasbourg. Alors vous aurez remarqué que la campagne est très courte d'une part et puis il faut aussi peut-être rappeler d'une part le nombre de listes qui est quand même relativement important et enfin un seul tour, un scrutin proportionnel, donc le 25 mai il faut 10 minutes pour aller voter dans les bureaux de vote, déplacez-vous, c'est vraiment une idée qui en vaut la peine. J'ai aussi quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Donc moi je suis Joseph Mullet, je suis conseiller général du Var dans le canton de Sifour et je suis le premier adjoint au député maire de Sifour-les-Plages. Très bien, ravi de vous avoir au micro pour la première fois, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Votre position et par rapport justement à ce que Jean-Sébastien Vialade vient de dire, et le contexte et les élections européennes. Alors moi, si vous voulez, moi, je suis effectivement aujourd'hui sur le marché de la Seyne, à côté et aux côtés des militants de la Seyne qui effectivement essaient de mobiliser les citoyens sur l'importance de cette élection donc européenne. Elle est importante pour toutes les raisons qu'il vient d'évoquer, c'est-à-dire l'intérêt notamment, en tous les cas, et en local, des communes de Sifour, de la Seyne, sur les mobilisations financières que l'on peut fixer sur ce territoire et ces finances effectivement qu'on a réussi à obtenir pendant quelques années sur des aménagements, sur les élans touristiques que l'on peut apporter à ces territoires. Quel genre d'action on peut justement montrer l'importance de l'Europe au niveau local ici? Alors sur Sifour, qui est un territoire que je connais très bien puisque effectivement je suis conseiller général de ce canton, je crois que tout le monde a dans l'esprit l'aménagement de la plage de Bonne-Grâce qui a été financé en très grande partie par les fonds européens. On peut penser également beaucoup plus, notamment la restauration de la chapelle de Notre-Dame-du-Mai qui est sur le territoire mitoyen de la Seyne-sur-Mer et de la ville de Sifour. Voilà des exemples ainsi, nous en avons quand même assez nombreux.